Voilà, messieurs, bonsoir, bienvenue au 13h. Voici les titres. Descente du directeur général des infrastructures sur la route d'Assas-Savaloudougou. Réhabilitation, Jacques Kayadi est allé constater l'évolution des travaux qu'assure l'entreprise Ebomaf. Et puis des actes de naissance délivrés gratuitement à l'ALO. Le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil est ainsi mis en œuvre. Les détails de cette opération de délivrance gratuite d'actes de naissance dans ce 13h. Toujours dans ce menu, de nouvelles œuvres composées de récades, de sabres et d'objets de culte font accueillir au petit musée de la récade. C'est un don du collectif des antiquaires de Saint-Germain des Prémécènes du Centre. À nouveau bonsoir et bienvenue. L'électrification des centres ruraux du Bénin grâce aux mini centrales photovoltaïques installées dans plusieurs communes du pays au cœur des questions orales avec débat au Parlement en cette fin de semaine. Le gouvernement ainsi représenté à cette séance a tenté de convaincre les députés. Guillaume Avienou pour les détails. La question de la mise en service des mini-centrales photovoltaïques installées dans plusieurs communes du pays a été au centre des débats à la faveur de la plénière de ce jeudi au Parlement. Les inquiétudes de la représentation nationale à ce sujet ont été portées par le député Adin Ouessou. Des installations photovoltaïques ont été implantées pour l'électrification des localités. Mais force est de constater que depuis plus de 2 ans que les travaux ont été achevés, la mise en service tarde à venir. Les gardiens recrutés pour veiller sur les installations ont commencé par démissionner faute de paiement de leurs droits. Laissés aux intempéries, certains appareils commencent par se détériorer. Qu'est-ce qui bloque la mise en service de ces installations photovoltaïques ? Depuis novembre dernier, rappelle le gouvernement, les mini-centrales photovoltaïques ont commencé à être mises en service. L'exécutif réaffirme sa volonté et sa détermination à garantir à tous les Béninois l'accès à l'énergie électrique, surtout aux communautés rurales du pays. La préoccupation évoquée est bien juste et partagée par tous, et que toutes les actions déterminées du gouvernement sont là, se poursuivre pour endiguer ces inquiétudes qu'on peut avoir et rassurer sur le fait que c'est des actions ancrées durablement. Des actions durables sont en cours et produisent déjà leurs fruits. Des actions pour lesquelles les députés félicitent le gouvernement, mais insistent pour une certaine célérité dans leur mise en œuvre. À des endroits, on a mis en service ces appareils sans des lampadaires. Dans les ménages, il y a l'électricité, mais dans le village, même dans les rues, il n'y a rien. Si on pouvait mettre quelques lampadaires pour éclairer les villages, cela ferait plaisir à ces populations. Il vaut mieux tard que jamais. Depuis 4 ans, effectivement, que ces centrales ont été construites. Et, étant donné que c'est photovoltaïque, lorsqu'on a fini la construction, les amortissements ont commencé en même temps, étant donné que c'est les batteries qui accumulent l'électricité. Depuis 4 ans, il y a beaucoup d'endroits où ces batteries sont déjà foutues, beaucoup d'endroits où les panneaux solaires ont disparu. J'espère qu'avec la mise en service, les entrepreneurs ont été, en tout cas, managés pour remplacer déjà les pièces qui sont défectueuses. Ça sont conjugués au passé. Mais comme on le dit, tant qu'il a fait, rien n'est fait. Ce qu'il a fait, je veux vous suggérer seulement que dans une localité de la commune de Tofo, dans l'arrondissement de Pomé, toutes les installations sont installées et on attend que le démarrage, la mise en service de l'éclairage, et ça ne vient pas tous les jours. On nous demande, on nous pose des questions. Je me vois obligé aujourd'hui de demander à M. le ministre de nous répondre par rapport à cela. Pour le ministre,
L'exécutif continue et va continuer de respecter le chronogramme de la réalisation des différents projets contenus dans le programme d'action du gouvernement pour l'atteinte de l'objectif de l'accès à l'électricité à tous au Bénin. Un certain nombre de projets phares doivent concourir à cet objectif. Et parmi les 4 projets phares du secteur de l'énergie dans le cadre du programme d'action du gouvernement, il y en a un particulièrement qui parle des énergies renouvelables avec un certain nombre de déclinaisons concrètes pour nos populations. Évidemment, un certain nombre de projets d'action en découlent, mais également avec des réformes profondes, pour que tout le travail qui est fait ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, mais des actions ancrées durablement pour apporter le bien souhaité par nos concitoyens. Évidemment, des réformes profondes, parfois douloureuses, j'en conviens, mais ô combien courageuses pour nous permettre effectivement d'atteindre cet objectif d'accès. Le gouvernement promet donc du concret à voir sur le terrain d'ici les prochains mois. D'un autre côté, le directeur général des infrastructures a visité la route d'Assas à Valoudougou en réhabilitation. L'objectif est de constater l'évolution des travaux assurés par l'entreprise Ebomaf. Le point avec Vitis Arouret et Bernol Diogwe. Le tronçon d'Assas à Valoudougou en pleine réhabilitation. Environ 270 km de route à rénover par l'entreprise Ebomaf. Nous avons eu à faire 160 km de sol ciment sur 170 km prévisionnels. Et au niveau de la grave bitume, nous avons fait déjà 104, puisque c'est réparti entre 84 et 10 km du côté de Bassila. Nous avons fait 104 km de grave bitume. Au niveau du béton bitumineux qui constitue la couche de roulement, nous avons fait déjà 84 km. Et au niveau des ouvrages, nous sommes assez en retard, disons au niveau des caniveaux de l'assainissement, il y a un retard criard qui se fait sentir. Et le niveau d'avancement est très faible à ce niveau. Nous avons moins de 3 km sur 21 km environ. Disons 22 km à 23, ça dépend des estimations. Donc sur ce point-là, on est en retard. Au niveau des ouvrages d'assainissement, disons les dallos, les ouvrages de traversée, nous avons 22 et sur cet aspect, nous avons fait déjà 19. À ce niveau, nous n'avons pas de retard. Et au niveau des ponts, nous avons 2 ponts à reconstruire et 8 ponts à réhabiliter. Ces travaux n'ont pas du tout commencé. Ça aussi, ça fait un retard. Nous avons eu effectivement des contraintes dues au non-fonctionnement de la carrière de Semeret où nous avons eu de sérieux problèmes. Alors, cette carrière-là est restée à l'arrêt pendant plus de 2 mois. C'est ça qui a fait que nous n'avons pas pu protéger donc, la chaussée. 56% de taux de réalisation pour un chantier dont la livraison est prévue novembre 2020. Les travaux piétinent entre Bassila et Djougou. Vous êtes en retard. Sur 21 km d'ouvrage, vous n'avez fait que 3. Et quand vous faites un planning là, quels sont les moyens que vous mettez à côté pour que le planning de ces moyens là soit compatible, pour que nous soyons sûrs que vous allez, combien par exemple de linéaires de caniveaux vous comptez faire par jour à compter d'aujourd'hui? Il nous reste environ 18 000 mètres linéaires de caniveaux à réaliser. Il faut vraiment que vous puissiez faire honneur à l'Afrique. Parce que si le président de la République décide de faire la promotion des entreprises africaines, il faut l'y encourager. Je vous enjoins de venir à Cotonou avec les sous-traitants. Et pour que je comprenne comment, en novembre, ce chantier peut être livré. Vous avez 2 ponts à construire, c'est ça. Et vous n'avez même pas commencé un seul. L'entreprise donne des garanties. Et c'est pourquoi, pour le booster, pour pouvoir rattraper le retard que la haute hiérarchie ma commune de venir voir, ils m'ont donné plein pouvoir, tous les moyens nécessaires, les dispositions ont été prises. D'ailleurs, maintenant, c'est RS qui va nous ravitailler pour que le ravitaillement bitume puisse être régulier. Et au niveau des agrégats aussi, les 3 carrières sont déjà fonctionnelles. La Direction générale des infrastructures exhorte l'entreprise Ebomaf à accélérer les travaux dans les agglomérations situées entre Bassila et Djougou pour la libre circulation des populations riveraines et de tous.
Parlons maintenant de cette remise d'acte de naissance aux populations de l'Allo. Le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC a été ainsi mis en œuvre. Grâce à ce projet, des actes de naissance seront gratuitement délivrés aux personnes qui n'en disposent pas. La cérémonie de remise des actes a eu lieu en présence des cadres de l'état civil, du RAVIP et des autorités politiques et administratives du COFO. C'est un compte rendu signé Michael Noati et Aziz Alagoué. Des milliers d'actes de naissance édités et délivrés gratuitement aux populations de l'Allo. Le gouvernement, à travers le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil, PEDEC, tient à faire de tous les Béninois des citoyens en phase avec les normes de la République. Ce jour marque la fin de la souffrance d'une certaine couche de la population de ma chère commune, l'Allo. En effet, identifiée comme une usine de production d'actes de naissance parallèle, ma commune se retrouvait sur la ligne rouge des structures d'établissement de certaines pièces, notamment la carte d'identité nationale, le passeport. Je vous prie sincèrement de transmettre à la haute autorité mes profondes gratitudes, car ce faisant, la première autorité de notre pays a répondu à l'aspiration de milliers de citoyens qui se demandent comment se faire établir cette pièce. Plus de 52 000 citoyens de cette commune pourront désormais solliciter toute pièce ou service de l'État sans crainte de rejet de dossier ou de poursuite judiciaire relative à l'authenticité de l'acte de naissance. La volonté tenace du président Patrice Talon nous rassure, nous encourage à aller de l'avant. C'est pourquoi il a mis en place le RAVIP et nous avons fait le RAVIP. Et avec la collaboration de l'Assemblée nationale, on a pu avoir la loi qui permet aujourd'hui d'établir par une procédure simplifiée les actes de naissance au profit des Béninoises et Béninois qui n'en avaient pas. La distribution d'actes de naissance ne connaît pas de couleur politique. C'est pourquoi nous invitons les élus locaux à faire preuve de sagesse, car empêcher un citoyen d'obtenir son acte de naissance est encore une infraction à la loi, à l'état civil. Je suis content parce que j'ai pris mon jugement. Je vais aller facilement à l'examen. Je remercie mon président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait. La délivrance des actes est suivie par les élus au niveau des arrondissements. Elle est gratuite et va durer 30 jours. Et sachez à présent que la ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite à Fludor Bénin SA6 à Cana. Elle est allée s'enquérir du fonctionnement de cette usine qui connaît des difficultés de rentabilité. La ministre a discuté avec les responsables de cette société Image et Son. Nous avons reçu la visite de Mme Assouman, le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a désiré se rendre compte elle-même de ce qu'était Fludor Cajou, donc qui est une unité qui emploie un millier de femmes, qui a une capacité installée présente de 18 000 tonnes, pouvant aller jusqu'à 30 000, le cas échéant, et qui, comme toutes les unités depuis l'année dernière et l'année précédente, connaît des difficultés de rentabilité du fait de la chute du prix de l'amande blanche exportée. Elle est venue se rendre compte de ce que représentait l'outil, de ce que représentait l'investissement, de ce que représentait l'emploi que nous assurions, puisque actuellement, je disais, un millier de femmes qui peut être portée facilement à 1200 ou 1500 femmes si nous traitons vraiment la matière première que nous pouvons traiter. Et elle est retournée donc à Cotonou et je pense qu'elle va discuter avec les membres du gouvernement, voire avec le président de la République pour voir quelles mesures peuvent être prises pour permettre à la filière cajou transformation de prospérer et d'atteindre l'objectif du PAG, qui est de transformer 50% de la production locale de noix brutes. Nous attendons qu'une solution soit trouvée à ce problème de compenser la chute brutale
du prix de l'amande blanche qui a eu lieu en 2018. Évoquons maintenant le sujet relatif à la deuxième session ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. Au menu des échanges, le projet de promotion de la planification familiale dans les villes du Bénin. 5 communes sont retenues pour bénéficier du projet. Luc Atroco, président de l'ANCB, explique le bien fondé de ce projet. Il est au micro de Axel Dancy et Ernest Tétégou. L'ANCB, en tant que fêtier national de l'ensemble des 77 communes de notre pays, se réjouit de cette volonté clairement affichée du gouvernement de prendre à bras le corps les questions liées à la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Elle s'inscrit également dans cette dynamique et entend contribuer à l'atteinte de cet objectif. À cette perspective, le projet de promotion de la planification familiale dans les villes béninoises représente notre meilleur atout. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous en tant que membre du comité de suivi du projet pour œuvrer et faire en sorte que la NCB puisse parfaitement jouer sa partition dans l'atteinte des résultats. Il est prévu d'accompagner 5 communes dans le cadre de la mise en œuvre du projet planification familiale. À cet effet, un processus de sélection a été lancé au lendemain de la première session du comité de suivi tenu en août 2019. Au terme de ce processus, les communes de Matéri dans la Takora, de Wessé dans les collines, de Niki dans le Borgou, de Dogo dans le Koufo et de Cotonou dans le littoral ont été retenues. Au nom de l'ANCB et de ses partenaires, je félicite chacune de ces communes. L'heure est donc maintenant au travail et je vous invite à continuer de nous accompagner comme vous le faites déjà si bien. Et une prime à l'excellence dans ce 13h avec la remise de présents symboliques à certains agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour leur dévouement au travail. C'est une initiative de leur ministre de tutelle qui vise la valorisation du capital humain. Lénaïque Abouazaro, Bruno Rotepo. 67 agents des catégories C et D en service au ministère des Affaires étrangères et de la coopération sont ici honorés. Leur mérite, le travail bien fait et l'efficacité. Des compétences professionnelles avérées et reconnues par leur hiérarchie. Et il faut qu'on fasse cela chaque année. Chaque fois qu'on aura la possibilité, on aura les ressources de le faire, qu'on le fasse. Telle personne est méritante. Vous savez, même un stylo comme ça, offert à un fonctionnaire en disant « Je suis tellement content du travail que tu fais, je n'ai pas grand-chose, mais tiens, voilà mon stylo, je te l'offre. » Ça fait plaisir. Oui ou non? Il faut reconnaître quand les gens se sacrifient. Et c'est ce que je voudrais. Je veux que les directeurs aient cette empathie-là. La présente cérémonie organisée à l'intention du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération est une célébration du capital humain et particulièrement des agents des catégories C et D, qui, par leur dévouement et leur efficacité, ont apporté une contribution significative aux résultats, au succès que le ministère a enregistré en 2019. Je voudrais féliciter et encourager les agents qui ont été sélectionnés et leur demander de persévérer sur cette lancée, car le travail bien fait n'est jamais perdu. Les agents méritants sont émus par le geste et souhaitent la pérennisation de l'initiative. C'est une parenthèse qui vient d'être ouverte et qui mérite d'être revisitée de temps en temps. L'occasion a été aussi saisie par le chef de la diplomatie béninoise pour inviter ses collaborateurs à accompagner les réformes engagées au niveau du ministère. Et on retient dans ce journal que Bénin Kadjo renforce les capacités des producteurs dénommés pro-leaders. Il a procédé à la remise de certificats de formation à ses acteurs de la filière Kadjo. C'était ce vendredi à Boïcan. Reportage Vitis Arouret et Bernol Djogwe. 35 producteurs de Kadjo reçoivent leur parchemin après un renforcement de capacités. Une œuvre du projet Bénin Kadjo à travers son programme de formation dénommé ProLeader. Le ProLeader est une initiative qui vise à constituer de pôles de producteurs experts locaux
pour la promotion de bonnes pratiques de l'ANACAD à travers l'encadrement, le coaching de leurs pairs de façon spécifique. L'initiative permettra de développer les capacités des producteurs leaders à transmettre des connaissances théoriques et pratiques à d'autres producteurs. Pendant 4 mois, ces producteurs leaders ont eu droit à une formation faite de plusieurs activités pour accompagner leurs pairs à la base. Les coûts de production de l'ANACAD, le fonctionnement du marché des noix de cajou et les techniques de marketing et surtout sur la planification, la gouvernance et les aptitudes de leaders de groupe, l'intégration du genre sanctionnée par les évaluations de connaissances. Nous avons suivi 2 phases d'apprentissage en milieu réel de durée 60 jours chacune entre 2 sessions sous la supervision de coachs mis à disposition par le projet. L'initiative ProLeader est également portée par l'Agence territoriale pour le développement agricole Pôle 4 et la FENAPAB, Fédération nationale des producteurs d'ANACAD du Bénin. Financée par le département de l'agriculture des États-Unis et mis en œuvre par TechnoServe et CRS, Catholic Relief Services, en collaboration avec les partenaires publics et privés, le projet Bénin Cajou est actif depuis 2015 au Bénin et vise à construire un secteur de noix de cajou compétitif et attrayant où les petits producteurs réalisent des rendements et des revenus optimaux. Promouvoir une filière veut dire que nous attendons 2 objectifs quand il s'agit donc des producteurs. Le premier objectif, c'est d'améliorer la productivité. Si on améliore la productivité, il faut l'améliorer de façon durable. La deuxième chose, c'est d'améliorer le revenu pour les producteurs, pour que les producteurs puissent satisfaire leurs besoins, les besoins fondamentaux, à tous les niveaux. Le pôle 5 n'est pas un très grand producteur d'ANACAD, mais nous ne sommes pas très loin. Et des actions qui sont menées, je pense que les producteurs leaders qui ont été formés contribueront énormément à pouvoir impacter la filière. Cette 30aine de producteurs constitue la 2e promotion du projet ProLeader, une initiative qui répond au programme d'action du gouvernement dans le secteur agricole. Et puis 2020 commence très bien avec de nouvelles orientations à la conférence administrative départementale du COUFO, la première. Elle a donc pour objectif cette conférence la satisfaction des besoins des populations à la base. Michael Nouati et Aziz Alagoué. C'est une rencontre qui s'est ouverte sous les meilleurs auspices. Après la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, 2020 est perçu comme année charnière à la préfecture d'Aplahoué. Cette année va nous ouvrir de nouveaux horizons pour le bien-être des populations à la base, car c'est cela qui justifie notre existence ici et notre présence dans le département. Et nous sommes là pour rendre contentes les populations. Nous sommes là pour que ces populations-là puissent savoir que le gouvernement travaille pour elles. J'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse. Je souhaite que cela puisse se poursuivre et je suis sûr que ça va se poursuivre. La locomotive du développement devra donc aller encore plus vite, précise l'autorité préfectorale. Le taux d'exécution des plans de travail annuels écoulés et ceux à venir rassure. Environ une dizaine d'activités qui sont prévues et toutes ces activités ont été exécutées. Et donc je peux vous dire tout simplement que le taux d'exécution physique est de 100%. Et en ce qui concerne le taux d'exécution financière, c'est à une hauteur de 99-82%. 2020, je crois que tout est fin prêt à notre niveau. La lutte contre l'usage du bromate de potassium, une substance cancérigène frauduleusement introduite dans le pain et autres produits de grande consommation, va être renforcée par des outils de détection spécifiques. Par le passé, nous faisions le contrôle de façon visuelle, c'est-à-dire avec nos yeux. Donc, désormais, nous avons une machine qui nous permet de détecter le bromate, quel que soit l'état dans lequel cela est utilisé. Donc c'est la bonne nouvelle pour les consommateurs de pain en général. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement actuel
et nous tenons donc à remercier notre ministre de tutelle et à travers elle, tout le gouvernement. Nous serons dans les boulangeries tous les jours avec notre kit. Nous serons également sur les marchés. La recherche se penche sur la question des récurrentes inondations, vues comme une opportunité de développement et non une entrave dans la basse vallée. Des travaux sont en cours afin d'apporter des solutions adéquates aux populations les plus affectées. Dernier sujet de ce 13h, le tribunal de première instance de deuxième classe de Diougou ouvre dès lundi prochain sa toute première session criminelle au titre de l'année 2020. Une première dans l'histoire de la juridiction depuis sa création en 2012. 13 dossiers sont au rôle de cette session. On écoute Lucien Maoulé, Abalo, procureur de ce tribunal, au micro de Simon Vian et Pierrette Adin Yossi. La première session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe de Diougou au titre de l'année 2020 s'ouvrira le lundi 20 janvier 2020 pour éventuellement prendre fin le vendredi 31 janvier 2020 au siège du dit tribunal. Le nombre de dossiers inscrits au rôle est arrêté à 13 et réparti comme suit. 5 dossiers de viol sur mineurs avec des infractions connexes d'enlèvement de mineurs, séquestration, grossesse précoce et complicité d'avortement dans certains cas. 3 dossiers de meurtre avec les infractions connexes d'incendie volontaire et coups et blessures volontaires dans un cas. 2 dossiers d'assassinat, 1 dossier de coups mortels, 1 dossier de pratique de charlatanisme et 1 dossier de faux et usage de faux en écriture publique. À l'analyse de la nature des infractions, on note que la quasi-totalité des affaires inscrites au rôle sont relatives aux crimes contre les personnes. 12 dossiers dans ce cas, avec une forte proportion de viols sur mineurs, 5 dossiers, soit 41% de l'ensemble des dossiers. Face à un tel tableau, la justice doit assumer ses responsabilités. C'est notre mission. Les audiences des sessions criminelles pour adultes étant publiques en général, les portes du tribunal sont ouvertes aux populations pour assister au déroulement de l'examen des différents dossiers, pour apprendre et comprendre. C'est fini pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi.